Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réorganiser la serre, donc on va s'occuper de ça. Et vous avez raison, là, les deux abonnés, ça doit être Rémi et puis Béa, faut vraiment que j'achète un trépied. Donc ça, on verra ça plus tard. Donc, ce que je vais faire, c'est que du coup, il y a Béa qui, justement, qui refait son jardin. Moi, je vais refaire ma serre. Donc, j'ai déjà commencé parce que j'avais pas pris le téléphone, là. Quand je suis sorti, j'ai avancé parce que là, je suis pas mis de la bâche. Hop. Tac. Hop là. Voilà. Et je posais ça. Alors, donc ce que je vais faire, c'est qu'on va déjà vous expliquer. Donc là, mon grillage qui fait mon étagère, je vais le décaler ici. On va le mettre là tout le long, mais là à gauche. Et la table, du coup, elle va venir se mettre ici, en gros, toute cette partie-là. Donc pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, j'ai un noisetier qui est juste là derrière. Bon, on doit pas le voir plus que ça. Mais ce qui fait que justement bah du coup j'ai beaucoup d'ombre, c'est assez humide et tout ça. Donc ce qui fait qu'en fait les escargots ils se logent tout là-bas là et tout. Donc ce que je vais faire c'est que parce que en fait mes semis ils filent, hein. Vous voyez là par exemple le persil il part par là. Donc là ce que je vais faire c'est que du coup ça va me permettre de laisser le noisetier parce que de toute façon ce que je veux faire c'est on va essayer de mettre le noisetier, on va pas le tailler, on le taillera que quand il arrivera en gros au milieu de la serre quoi, voire même un peu plus. Ce qui fait qu'on aura un ombrage à gauche. Et à droite, il y a des hibiscus là-bas, donc c'est pas mal. Donc voilà, donc moi je vais recommencer à travailler. Et puis voilà. Donc pour démonter les poteaux de ma serre, parce que le grillage là il est coupé, mais là-bas il est dans le poteau de la serre, donc il va falloir que je l'enlève. Donc ce que je fais, c'est que moi c'est que je prends. Là j'ai une clé que mon grand-père il m'avait donnée. Donc voilà, merci. Et là j'ai été prendre ça. Hop. Et donc ce que je vais faire, c'est que hein, c'est une serre e-commerce, hein, et tout est à 40 euros là, donc c'est pas forcément très compliqué à dévisser. Donc là, vous voyez la clé, on la met là, et l'autre côté, je sais où on trouve bien. J'espère qu'on va bien voir. Hein. Non, là on voit rien, il y a le fil. Là, vous voyez. Vous avez bien vu, je suis pas sûr, mais bon, c'est pas grave. Du coup, ce qui fait qu'on faut utiliser une clé comme ça. Bon, je vais pas faire non plus longtemps, donc je vais essayer de vous mettre le téléphone là par ici et ça va essayer de vous filmer. Allez, c'est parti. Alors, j'ai calé le téléphone comme j'ai pu. J'espère que vous allez essayer de vous allez réussir à bien voir. Tac, voilà. Donc, je vais pas vous filmer tout de suite parce que sinon, il y en a pour des heures et des heures. Et comme je fais pas de montage, bon ça vous le savez déjà, ça va pas me servir à grand chose de vous faire voir tout ça. Alors, ok. Donc ce que je vais faire moi c'est que je vais aller de l'autre côté, donc vous allez voir travailler, donc vous m'entendrez plus non plus. Toc. Parti. Désolé si la vidéo est trop longue. Bon, je vous coupe parce que la vidéo sinon elle va durer vraiment trop longtemps. Donc là, je vous reprendrai quand tu auras vraiment un truc à voir. Hey. Bon, regardez ce que j'ai trouvé à l'intérieur. C'était pas là. J'ai perdu un boulon. Alors voilà. Je vous montre. Il va essayer. Non, il a pas l'air de vouloir. Bon, vous le verrez comme ça. C'est pas très grave. Donc, pour moi, c'est des œufs de limace. Hein, donc, je vais les envoyer loin, 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 loin. Je vais pas les tuer pour une simple raison que je vois pas pourquoi je le ferais. Et puis voilà. Et j'ai été retrouver mon boulon maintenant. Même si bon, là, j'y crois plus trop. Mais bon, c'est pas. Allez, on continue. Bon, voilà. Alors là, on peut plus déjà. Il fait.
fait 25 degrés. Donc ça va encore. Mais bon, j'ai enlevé le grillage. Je l'ai mis là-bas là pour l'instant. Il n'en le voit pas d'ailleurs. Ok, maintenant je vais vous virer tout le bordel là, qu'il y avait sous le grillage. Pour, à la place, je vais mettre le bordel qu'il y a sur la table. Et je vais. Et la table, j'avais. Je reprends. Je vais essayer un truc, je vous garantis pas les belles images. Mais bon, on va essayer. Là, vous êtes dans le cajou. Juste essayer de. Voilà. Désolé pour le bleu, c'est le cajou. Hein. Tac. Voilà. Là, on va déposer. Là, il n'y a que de la console là-dedans. Donc, je vais déposer tout. Toutes mes boutures. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais. Comment j'ai une cadrice. Bon, je vais pas vous faire trop la même chose, donc là je vous pose ici. Bon, maintenant je vais m'attaquer à bouger la table. De là, ici dans le fond à gauche de la serre, elle va passer au milieu à droite, donc juste ici. Il faut pas que je foute un petit coup de lavage, mais j'ai pas envie, donc je vais pas. Et en plus qu'elle soit là, ça, je vous explique aussi pourquoi. Il y a une autre raison pour laquelle je vais la mettre. Ça, on verra ça très certainement plus tard. Et tout de suite. Bon, alors là, il est 11h18. Ça fait 1h15, 1h20 que j'y suis. Donc là, je suis un poil crevé. Donc je vais faire une petite pause pour la matinée. Donc je suis déjà super content de moi. J'ai enlevé le grillage qu'il y avait là. Donc mon étagère, j'ai débarrassé la table et je l'ai bougé. Il n'y aura plus qu'à la caler cet après-midi. Et il n'y aura plus qu'à creuser les trous pour les poteaux que je vais d'ailleurs renouveler. Mais ça, on verra ça tout à l'heure. Enfin, dans une prochaine vidéo, dans la vidéo la semaine prochaine, très certainement. Non, dans la vidéo vendredi plutôt, on va faire comme ça. Donc là, c'est une vidéo qui sortira très certainement mercredi. Voilà, donc merci de l'avoir suivi, et puis à vendredi pour la suite, normalement. Hey, bye. Et merci à tous ceux qui mettent ton pouce bleu, commentaire et qui verront la vidéo. Hey, bye bye.